Hey, rebonjour tout le monde, et oui, on est de retour dans Child of Light avec Oraniculus et toute la bande et notre nouveau Robin des Bois. Et la dernière fois, on avait terrassé une araignée d'un cœur, ouvert un coffre, et maintenant, pour atteindre un temple, on va devoir parler à ce géant. Va me faire un peu peur. Allez, allons-y. Magna, voulez-vous, comment allez-vous? Ma chère, je me sens rajeuni. Mon cœur est comme neuf, c'est fou. Par Rambert, la douleur s'est enfuie. Je vous conduirai tout là-haut. Puis je devrais me préparer. Car ces petits êtres, très bientôt, avec la route, vont renouer. Eh, qu'est-ce que... Ils sont très secoués dans ce village. Merci Mania pour cette étonnante ascension. Prenez soin de vous surtout. Robert sur la route, faites bien attention. Attendez, Aura, je dois me joindre à vous. Si je parviens à gagner les départs de marché, avec Margaret, ce sera l'amour fou. Bienvenue à nos côtés. Avec lui, la faillite nous pend au nez. Voilà. Donc, nous voici cette fois-ci, le duc et la duchesse. Tiens, on a d'autres personnes à voir. Temple de la Lune. Pas de doute, c'est là où il faut aller. Et... ça peut être facile de monter. Pas le choix, par là qu'il faut entrer. Aïe. Bon. Allez, on récupère ça. Ah, une critique brute. Bon, allez, voyons voir quel genre d'ennemi on va affronter. Quelque chose m'a dit qu'il va falloir... Dis donc, y'a ce qui est grand monde! Des monstres d'eau. Enfin, si c'est des monstres d'eau, c'est juste que. Aïe! C'est la foudre qui ne vit pas. Ouais, donc en clair, me faut des attaques électriques. J'ai l'impression que je vais me faire tuer sinon.
Aïe, aïe, aïe. Non, ça frappe pas de mal. Voyons, on va voir si toi t'es vulnérable à ça. Non, mais ça lui fait quand même pas mal. Non, c'est pas ça. Bon, au moins il va avoir des compétences en plus. Et vu qu'on est parti sur l'électricité, et on va devoir changer les oculis. Voilà. Ouais, bon. En haut, le temple de la lune. Ici, y a rien. Ça aurait été dit de passer à côté de ça. On recharge. Ah, les fumiers. Évidemment, ils avaient envie d'en mettre un. Paralysé, attends un peu. Niveau 30.
Ah, ça commence à monter. Alors, toi, qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, ça fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on améliore? Ok. Ici, on va avoir le même problème qu'avant. Mais enfin, on va. Pas la suite. Je suis bien fait avoir. Mais bon, on n'aura pas plein de temps. En fait, il fallait vraiment monter. Encore des traces de cirque laissé. Nous devons sûrement nous en approcher. Donc il y a le cirque quelque part ici et j'aime pas ça du tout. Déjà un de moins. Je déteste ces trucs. Merci de l'esquive. On va changer un peu. Ah zut! Ces ennemis vont être énervants. Quoi, c'est tout?
Ouais, non, c'était... Je suis trompé. C'est quoi leur point faible à eux? Ouais bah toi t'es pas vraiment efficace contre eux si je puis dire. Allez, changement. Mieux, mais bon, on fera avec. C'est des ennemis pareils, c'est que la lumière qui marche. Toi, tenez ça. Toi. Et toi. De toute façon, il va falloir qu'on augmente notre niveau si on va réussir. C'est pas vrai, Putain, mais c'est trop fort les ennemis ou quoi? Apparemment, il est plus vulnérable aux attaques spéciaux. Décidément. Ouais, les attaques magiques en fait, il n'y a que ça qui marche. Toi, qu'est-ce que je vais te donner? Ah. Par du cirque qu'on a trouvé.
Eh ben, ça se balance cette île. Ouais, toi, on se débarrasse. Pas envie d'avoir de compte sur le dos. Des chaînes sur lui ou quoi? Paralysé, qui est plus que ça. Et voilà. C'est pas vrai, Tout le monde qui monte de niveau, c'est déjà bien. Enfin, presque tout le monde. Alors, toi... Ah. Ce sera mieux. Cette vue suspendue est si sombre, si énorme. Et zut! Merci de m'avoir coupé! T'as fait qu'il y a un archer ici. Oh non, c'était pas le bon. Il a perdu sa protection, il est plus vulnérable qu'avant. Ouais.
Ah, voilà. Il devrait être un peu plus efficace maintenant. Bon, alors toi, c'est ça qu'on augmente. Et toi, ta défense, c'est sûr et certain. Je sais même plus ce qu'il voulait dire à propos de la ville flottante qui était sombre et monotone. J'aurais bien mieux écouté. Enfin. On s'est débarrassé de ces quelques villes créatures. Non, pas par là. Ah, ce vent est agaçant. Et ça, je crois qu'il vaut mieux l'éviter. Hein? Confession numéro 15. Allez, mettez sur pause pour lire. Avance, je te dis. Ah, je savais que ça ferait mal. Super ennemi en vue. En... Allez, on se venge pour tout à l'heure. C'est fou là. Merde, moi. Mais quoi? Alors ça c'est vraiment un coup de seau qu'ils m'ont fait. Bon, allez, on va essayer de les tuer très vite parce que là. Et voilà. Et moi. C'est pas vrai, oh. Et voilà.
Ça y est. Mettre en note, ces monstres de feu peuvent se régénérer. Ça, c'est pas bon signe. Toi, voilà. Une compétence passive qui vous est très utile. Toi, tu vas rester 2 minutes. Attends. Voilà un bire à cet endroit. Il est paralysé à chaque fois. Fin, t'es vraiment naze quand tu te prends des coups. Et voilà. Et ça y est. Ça va enfin prendre du coup de main, je crois. Enfin, j'espère. Ces ennemis sont trop badass pour moi, je crois. Alors, toi, qu'est-ce qu'on va augmenter? Fait. Le cirque est passé non loin. Qu'a-t-il abandonné en chemin? Ah bah oui, tiens, regarde. Un coffre. Un superbe cirque. Et... qui c'est lui? T'en on dirait. Dites-moi, triste Arlequin. Pourquoi tant de chagrin? Pour la lumière perdue, l'effroi permanent. Les gens vides qui se prétendent vivants. Les salles vides où s'entassent les morts. La fin du cirque, malgré mes efforts. Pour le vieillard qui peine à marcher. Pour l'enfant qui commence à parler. Pour vous, mais aussi pour moi. Je pleure pour tout cela à la fois. Voyez-vous ces ordures à nos pieds? Comme elles, le cirque m'a abandonné. Pourquoi, vous demandez-vous? Je n'étais pas assez drôle, voilà tout. J'avais prévu de convier ma sœur. Au lieu de cela, je me noie dans mon malheur. Assez tristi, je suis là. Mais là, non, je dois rêver. Oublie le cirque et viens avec moi. Mais nous avons nos rêves à exaucer. Moi, l'amuseur, et toi, la chanteuse de Lemuria. J'ai entrepris une aventure merveilleuse. Avec la jeune fille que voici, Aurora. Notre carrière d'Arlequin n'est pas des plus heureux. Mais en guerrier, nous allons faire un tabac. Ensemble, nous vaincrons l'obscurité. Avec nos acrobaties, notre souplesse et notre don pour soigner. Aurora, vous avez trouvé de nouveaux amis. Tristy a rejoint le groupe et on a résolu une épée secondaire. Oh, c'est génial! C'est plutôt génial ça!
Et lui, ah, bah, il a les mêmes capacités que Nora, on dirait. Alors, t'es de quel niveau, l'ami ? 26, ça va falloir t'améliorer. Enfin, mais ce sera pas pour tout de suite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'un deuxième clown dans l'équipe qui a à peu près les mêmes facultés qu'un autre, va falloir se décider. Sur ce, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo dans laquelle je me suis bien fait tabasser. Abonnez-vous, pensez à la cloche, suivez-moi sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, au revoir et à la prochaine !